Alors, déjà, je commence par préparer. Je commence par préparer mon enfumoir. Et qu'est-ce que je mets dans l'enfumoir? Je mets des aiguilles de pin sur lesquelles les voitures ont roulé. Ce qui fait qu'elles ont cette consistance. Et c'est ça que j'utilise pour mettre dans l'enfumoir. Le principe de l'enfumoir, il faut qu'il y ait une fumée qui sorte, mais il faut que ça soit aussi une fumée qui soit froide, pas une Ah ouais, fumée chaude. on a une bonne idée. Voilà. Pourquoi on enfume les abeilles aussi? Ben, il y a une raison qui doit être l'instinct de survie. En fait, elles croient qu'il y a le feu, parce qu'il y a la fumée. Donc elles vont aller protéger la reine, ce qui fait qu'elles vont quitter les hausses où le miel est stocké. Et de ce fait-là, c'est plus facile de récolter. Donc ça, c'est le but pourquoi on met de la fumée. Donc Dany, les gants se mettent avant d'enfiler la combinaison, contrairement à toi qui as mis les gants après. Ah oui. Ouais, voilà. Pourquoi? Pour que les abeilles, quand elles remontent pas à l'intérieur du gant. On y va, on est parti. Là, leur faire croire qu'il y a de la fumée. Voilà. Il faut pas trop enfumer les ruches pour pas que le miel ait l'odeur de la fumée. Donc là, comme on peut le voir ici, j'ai une grille avec de la propolis. Voilà, donc là j'ai de la propolis pure que je vais récolter, que je vais mettre déjà à congeler et que je récolterai après plus tard en pliant le plastique quand il est congelé. Et là elle se détachera toute seule, tandis que là, si je veux la bouger, il n'y a rien qui se passera. Donc là j'ouvre ça là. En fait, ils sont très gentils, faut pas croire que le frelon asiatique est méchant, parce que ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc là, je récupère la propolis. Donc là, déjà le bruit change. D'accord? Oui. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais détacher, comme on voit là, j'ai pas mal de propolis sur le dessus, hein, marron, et tout est lié, donc maintenant il faut que je défasse une à une les hausses. Voilà. Alors forcément, quand on vient dans leur ruche, eh ben, c'est comme si on vient voler leur miel aussi, hein, faut pas les prendre pour des imbéciles qui ont vient pour nous voler notre. Voilà, alors là voilà, là elles ont pas tout fait, mais elles en ont fait une partie. Voilà, et là vous voyez, là c'est pas operculé. Mais là c'est operculé. D'accord? En fait, la différence, quand ils mettent l'opercule ici, ça veut dire qu'ils ont retiré toute l'humidité qui était à l'intérieur. Voilà, et une fois qu'elles ont retiré l'humidité, parce que dans une ruche, il fait toujours 37 degrés. Moi, je suis un petit, hein, donc je travaille tout doucement. Je ne sais pas trop comment travaillent les grands. Mais ce que je peux vous dire, bon, voilà. Voilà. Alors, les mémères, bon, ben, c'est normal, hein, ça gicle. Et voilà. Alors, ça, c'est un cadre qui est superbe. Parce que il y a vraiment là ça pèse facilement 2 kilos ce que j'ai dans les mains là. Voilà. Allez les mémères, hop.
Alors les ruches qu'on a là, qui sont en exploitation, s'appellent des ruches d'Adam. C'est monsieur d'Adam qui a mis et pensé à cette forme de ruche. Il y a d'autres types de ruches. Celle-là, elle travaille sur la hauteur, c'est-à-dire qu'on monte les hausses comme ça, en hauteur, et on stocke dedans, dans la hauteur, le miel. Tandis que les d'Adam, par exemple les Langstroth, eux, ils stockent sur les côtés. La différence. Le stockage est sur les côtés. Là, on sépare ici. Alors, normalement, plus on va vers l'heure de midi, de 14h en heure locale, c'est-à-dire plus on se rapproche du midi solaire, plus les abeilles sont parties se balader, les butineuses sont parties, ont quitté la ruche pour aller chercher du miel. Et là encore, on voit bien que c'est plein, alors vraiment plein de miel. Un paquet, hein, ruche. Ah, il y a des heures de boulot. Regarde ça un peu, c'est splendide. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas crever aussi là où il y a du miel. Parce que là, je vois par exemple, là j'ai crevé sans faire exprès. Parce que ça les énerve, ça les excite. Quand elles sentent le miel, elles sont excitées. Donc c'est pas vraiment bien. Allez, encore une. Et après, ah si, il y en a encore deux. Quoi. Bon, donc là, hop, celle-là, elle y va. Tac. Et encore une très belle, voilà. À chaque fois, c'est splendide. Ça a été mis ça au mois d'avril. La hausse là, voilà, donc la hausse je le retire, elles n'en ont pas besoin, parce que l'hiver va, je les prépare en fait pour l'hiver, là je retire l'excès de cire, etc, 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 pour pouvoir fermer ma ruche. Et je ne fais qu'une récolte par an moi. Alors ça, je sais que ça les énerve un peu à chaque fois, mais bon, je suis obligé de... Elle se pose sur ma caméra, ouais. Même sur l'objectif. Ah oh, super, oh, c'est génial. Il y en a une qui était en gros plan, elle bouffait tout l'objectif tout à l'heure. Ça les calme ça là. Ah ben, tout de suite elles vont aller proche de la reine. Ah bon. Tu vois, elles descendent et elles se regroupent. Elles vont protéger la reine d'une attaque, d'un incendie, voilà. C'est très important. Je vais faire donc là, écoutez le bruit. Bon alors tu m'as dit ça c'est la propolis. Alors ça c'est de la propolis, celle-là elle est en excédent. Elle n'est pas sur les grilles, donc je l'utilise aussi. Oui mais c'est quoi alors, je me fais, alors. C'est l'antibiotique naturel des abeilles. Parce que les abeilles, ben, quand elles vont se balader dehors, elles sont soumises à des virus, des cochonneries, etc. Et parce que quand elles reviennent, je mets ça là parce que ça. Quand elles reviennent se balader, de leur balade, pardon, il faut que la ruche elle soit propre. Donc les abeilles ont fabriqué, elles fabriquent cette propolis qui. Elles vont mettre leurs pattes dessus rentrer dedans. Ça sert aussi, par exemple, s'il y a un animal qui rentre dedans, et que même une souris, hein, elles peuvent aller jusqu'à embaumer une souris avec de la propolis pour pas qu'elle leur pollue l'intérieur de leur ruche. Hein. Alors, toi, tu t'en resserres après. Donc, moi, celle-là, j'utilise de deux manières. La solide,
Elle me fait ma propolis pour l'hiver, pour me soigner, pour donner aux copains et tout ça, pour ceux qui sont un peu malades, de la gorge et tout ça. Donc je leur donne ça. Et là, on peut entendre le bruit, là. Là, j'ai de la propolis qui est, elle, toujours pareil, je retirerai après l'avoir passé au congélateur. Au congélateur, pourquoi? Eh bien, parce que là, elle est impossible à toucher. Alors, ce qu'il faut savoir... Impossible, pourquoi? Hein? Ben, parce qu'elle colle, ça colle. Ah oui, ça, ça colle. Colle, c'est terrible. Et alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, le violon qu'on appelle le Stradivarius, qui est le top des violons, et ben le violon, la peinture, ce que vous croyez qui est en peinture ou en vernis dessus, en fait c'est fait avec de la propolis. C'est uniquement de la propolis qui est diluée. On peut faire avec des... Avec la propolis, on peut l'utiliser par exemple sur un arbre aussi qui est abîmé. On bouche le trou avec ça. Ça sert à soigner quoi. Hein? Un arbre, vous pouvez soigner vous-même. C'est vraiment merveilleux. Et en médicaments, les labos s'en vont occuper. Alors, ben oui, c'est vendu dans les magasins bio et tout ça. Mais pas en pharmacie. Ils n'en ont pas tiré. Si. En pharmacie, oui. Ah ben tiens, il y en a une qui est pas contente. La pauvre, elle m'a piqué, c'est dommage. Elle va mourir, c'est ça. Ouais. Dommage. J'ai dû la coincer, je sais pas. Ah, celle-là. Hop là, voilà. Donc voilà, son premier rayon à elle, pareil. Un rayon, bon ça c'est le dernier, donc celui-là il n'est pas encore rempli. Elle n'avait pas fini cette hausse, elle n'avait pas fini. Donc ils commencent par un côté et finissent par un autre, c'est ça? Elle commence au milieu. Ah bon? Et elle se déplace comme ça. Pareil, si elles font le couvain en dessous, elles vont faire les œufs d'abord au départ et après elles augmentent comme ça. En général c'est comme ça avec les abeilles. Hein. Voilà. T'as une idée du nombre d'abeilles qu'il y a par ruche? Alors une belle ruche, hyper bien formée et tout, il faut compter dans les 80 000 abeilles. Pour une ruche? Pour une ruche, ouais, wow. Oui. Entre celles une qui sont très, là, très celles grosse, qui se baladent. Une très très grosse ruche, on peut atteindre les 100 000, 120 000 abeilles. Hein. Ah. Ouais. Mais l'abeille, elle n'a pas une durée de vie qui est énorme, hein, attention. Hein. Ah oui, c'est combien? Une abeille, ça vit 3 semaines. Oh. Ouais, c'est assez court hein, comme cycle de vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les abeilles, ce sont elles qui décident de fabriquer une reine. Et que la reine, c'est la même chose que elle, sauf qu'elle est nourrie à la gelée royale et qu'elle dure 5 ans. Waouh. Voilà. Et elle n'a un rapport... avec les mâles qu'une seule fois au moment où elle est vierge et qu'elle s'échappe de la ruche et qu'elle est fécondée par les mâles, par plusieurs mâles en l'air, et là elle se constitue une spermathèque qui peut aller jusqu'à 5 milliards d'œufs. Wow. Alors qu'elle n'est pas tellement plus grande qu'une abeille, hein. Les mères là, je leur retire leur manger. Et franchement, elles ont été trop bien, quoi. C'est une pure merveille. Ça, c'est du miel du marais. Il n'y a pas grand-chose à part aller dans le marais se balader. Et puis, nous, ce que nous cultivons ici, et nos arbres fruitiers, bien qu'elles se déplacent jusqu'à... elles ont un rayon à peu près d'un kilomètre cinq, deux kilomètres. Mais elles vont d'abord là où la source de nourriture est la plus proche. Hein. Elles ne vont pas se taper 2 km pour aller prendre un truc. Hein. Elles travaillent toujours au plus proche. S'il vous plaît, allez. Voilà. Là, on entend qu'elles envoient le signal. C'est clair, hein. Voilà. Ça a 2 kilos le morceau, donc voilà. Vous faites le calcul, il y en a 9. 9 x 2, ça fait 18. 18 kilos sur une ruche quand elle a bien marché, quoi.
vraiment, c'est splendide, hein. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais le travail, tout, c'est une merveille. Quelle chance on a d'avoir ces abeilles à notre service. Et ce qui est assez marrant, tu vois, c'est par rapport à la langue anglaise. Nous on dit un apiculteur. Ce qui, à mon avis, ne veut pas dire vraiment grand-chose. Apiculteur, culture de l'abeille, d'apis. Pourquoi api? Bees breeder. Un bees breeder, c'est un mec qui est un éleveur d'abeilles. Bees breeder. Donc, autrement dit, on est berger d'un troupeau quand on a des abeilles. Alors, est-ce que les abeilles nous connaissent? Moi, je pense que oui. Franchement, je pense qu'elles connaissent notre odeur, je pense qu'elles nous connaissent. Elles savent quand on est là pour les protéger, elles savent aussi quand on est là pour leur piquer leurs trucs. Ouais, mais moi, elles me connaissent pas. Toi, elles te connaissent pas, non? Non, non. Et à la limite, c'est avec moi. Ouais, elles sont sympas, là. T'as pas de... Ouais. Non, il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas d'agressivité. Il y a une fois qu'elles ont piqué. Ça, c'est de la noire des Landes. Hein. Agressive. Ah oui. Alors, il y a des gens, moi je connais des gens, apiculteurs hein, en Charente, qui ont des abeilles, mais alors d'une douceur. Là je ne serais pas du tout habillé. Hein. Ah ouais. On met les mains dedans, elles nous viennent dessus et tout. Franchement, elles sont cool, quoi. Alors, on se dit, ah ben, c'est merveilleux de voir des abeilles qui sont comme ça, d'une gentillesse pareille. Et tout. Mais en fait, elles sont tellement gentilles que s'il y a d'autres abeilles qui veulent aller dans leur ruche leur piquer leur miel, elles se font piquer leur miel. Oui. Eh ouais, tu vois, donc la gentillesse des abeilles, c'est pas... On dit qu'on a une bonne ruche quand on a des abeilles qui sont assez virulentes parce qu'elles protègent leur manger. Là où je suis là, ouais. Elles sont toutes les unes sur les autres, je sais pas pourquoi. Ouais, des fois, ben, je sais pas vraiment, moi je suis pas capable d'expliquer tout. J'ai beau regarder, essayer de trouver, chercher, mais je trouve pas. Alors qu'est-ce qu'a changé cette année, tu vois? Ce que j'ai changé, j'ai toutes mises sur hauteur. Je les ai toutes protégées pour l'hiver avec un isolant sous la toiture. Donc ce qui fait qu'elles ont pu commencer la récolte vraiment au printemps. J'avais pas besoin de se reconstituer. Enfin 50 kilos mettons. Ton 50 record, kilos ils y seront. Ton record va être battu. Ah oui, là-bas j'ai des doubles hausses. Là-bas j'en ai où j'ai 40 kilos dans les mains. Allez les filles, hop, on va y aller à la maison. À la maison. Donc là, tu vois, elle rebouge beaucoup. Donc... Là, elle bouge, oui. Ouais, donc, j'entends. On leur fait croire que... Il y a le feu. Allez, rentrez, protégez la reine. Oui. Tu vois qu'elle descend plus. J'en ai moins quand je sors. Ouais, t'en as moins à retirer avec ton balai. Ouais. Voilà, c'est tout plein, hein, ça. Il n'y a rien. Même si c'est pas entièrement operculé, ça c'est des balayettes spéciales, hein. C'est pas un balai que vous achetez dans le commerce. Hein. Non, c'est très doux. Ah ben sinon tu verras, elle partirait pas en volant. Allez les filles, hop, on y va. Encore une. Et là, en faisant ça, si tu veux, en leur retirant leur miel qu'elles font maintenant et à cette époque-là, en ce moment, si tu veux, je vais avoir le lierre là qui sort. Il y a de la bruyère. Le lierre, il est déjà sorti. Elles en ont déjà pris, si tu veux. Mais il faut qu'elles constituent leur récolte. Comme nous, ici, on est dans une région et où on a un hiver qui est assez tardif et puis pas très fort. On peut récolter, si tu veux, là comme ça, au mois de septembre. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on est le 16 septembre. Voilà. Ça monte, hein. Hop. Et je tiens toujours mes cadres comme ça, dans ce sens-là.
de manière, comme elles ne sont pas operculées, si je les tournais comme ça, immédiatement le miel tomberait. Hein. Hop là. Les cadres. Allez, la dernière. Toujours dans le même système, les mémères. Allez les filles, hop, vous poussez. Que je vous fasse pas mal. Alors là, ce qui colle comme ça, hein, c'est la propolis hein, qu'on voit là. Qui elles mettent de la propolis partout. Hein. C'est vraiment leur truc. Hein. Alors là, il n'y a pas beaucoup de miel dans celui-là. C'est le dernier. C'est le dernier. Là, c'est celui de côté, les latéraux. Oui. Si jamais les latéraux étaient pleins, il faut mettre une autre grille. Dis donc, c'est plein de frelons asiatiques dans les bouteilles, là. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Et pour les attirer, alors, tu, nous, pour les attirer, tu mets de la grenadine vin blanc. Ah bon? Voilà. Pour refermer ici, toujours ça, c'est un moment délicat. Parce que les petites dames, là, il faut qu'elles... Faut qu'elles s'en aillent et... Donc elles se glissent doucement, voilà. Alors là, c'est toujours le petit moment délicat, parce qu'il y en a toujours une qui veut passer. Allez, hop. Donc là, on peut dire que c'est ton butin. Ben, une petite partie. T'as été cambriolé une ruche. Combien on a fait de ruches là? Trois ruches. Trois ruches. Ouais. Donc, hop là, ce miel-là, je suis obligé de l'ouvrir, de retirer tout ce que les abeilles ont fermé. Comme ça, je suis sûr que là, il n'y a pas d'humidité dedans et j'ai un très bon miel. Et après ça, je vais l'extraire avec la centrifugeuse. Donc pour le désoperculer, comme je suis assez archaïque, hein, j'utilise juste un couteau à désoperculer que je chauffe et qui va me permettre de retirer les opercules. Voilà, comme ça, je coupe, je désopercule. Et ça se mange les opercules ? Non, c'est de la cire, donc on la mange pas. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, tu vois. Donc ouais. Là, le miel maintenant va pouvoir s'écouler. Il va s'écouler maintenant. Hein? Tandis que tout à l'heure, il ne pouvait pas s'écouler. Ouais. Voilà. Hein? Voilà. Hop là, voilà. Je me prends une fois. Hop là, hop là. Voilà. Une fois qu'il est là, direct dans le pot. Un autre. Voilà. Donc, il faut savoir, c'est que dans une ruche, j'ai 9 cadres comme ça, tu vois. Dans une hausse, pas dans la ruche, dans la hausse. Là, on récolte, il y en a 9. Chacune pèse, vas-y, pèse-en une, prends-en une dans tes mains. Non, pas celle-là. Oui, prends celle-là déjà, regarde. Regarde le poids qu'elle fait quand elle est vide. D'accord? Si elle est pleine, ça va faire beaucoup. Alors vas-y, maintenant, tu vas peser. Prends une là. Voilà, là. Celle-là par exemple. Avec tes deux doigts. Prends tes deux mains. Ah, c'est quand même, c'est pas pareil. Il y a une différence, hein? Je peux pas faire ça dehors. Parce que t'as vu comment elles sont là? Ouais. Eh oui, elles vont tout arriver. Là, mon pauvre, là, je suis foutu, là. Ah, moi, j'y suis depuis 2 heures. Hein. Depuis tout à l'heure... J'ai pas pris de pause, j'ai juste mangé un œuf, le deuxième. Moi je peux en passer que 4, tu vois, mes trucs là. Mais t'en restes combien à faire ça? Ah bah là j'en ai encore 3 plus ce qui reste là. J'ai encore une quarantaine de kilos, tu vois, à retirer. Ce soir vous repartirez avec un pot de miel. Je sais pas, t'en manges du miel, Orion?
Ouais, un peu. Un peu? Quand tu manges des croustilles, bien souvent ils mettent du miel dedans, tu sais. Bon, c'est pas du miel, je pense pas que ça soit du bon miel comme ça qu'ils mettent. Hein. Dans les croustilles, ils doivent mettre des miels de tournesol, de colza, des miels qui se récoltent vite, quoi. Là, c'est du miel bio. Hein? Là, c'est du bio. Ben, c'est difficile de dire quand il est bio parce que une abeille, elle se déplace. Donc, ça dépend vraiment de son environnement, tu vois. Alors, ici, bon, qu'est-ce que j'ai aux alentours? J'ai un champ d'asperges. Mais je sais qu'ils font une pulvérisation de fipronil sur les asperges. C'est ce que le monsieur m'a dit parce que j'ai été le voir en lui disant que j'avais des abeilles. Un fipronil, c'est pas un insecticide. Mais quand ils piquent les abeilles, ça fait très mal. 35 piqûres, c'est pas beaucoup. Quand t'es pas habitué, ça fait mal. Hein. Ouais. Au début, je gonflais. Au début, je me faisais piquer. Le lendemain, j'avais. Tu vois, si je me faisais piquer à la main, putain, le lendemain, j'avais le bras. Pff. Et maintenant, maintenant, ça va, quoi, tu vois. Mais après, tu les mets à la poubelle, la cire. Ah non. La cire, après, elle est... Celle-là, elle va avoir un usage très particulier. Parce qu'elle va me servir à fabriquer un condensateur. C'est quoi ? Diélectrique. À base d'opercule. C'est-à-dire de cire qui est absolument propre. Oui, mais c'est quoi un condensateur ? C'est parce que je veux faire de l'eau, une eau spéciale. Je veux fabriquer une eau... qui est très bonne. Elle se fait pas piquer. Eh ben ouais, à ton avis, pourquoi elle est restée cachée? Parce qu'elle se fait piquer. Parce qu'elle sait que je fais du miel et qu'elle a pas envie de faire piquer. 1, 2, 3, 4. Voilà, et c'est parti pour un second tour. Oui, voilà les gouttelettes. Voilà. Il n'y a pas besoin de tourner très vite, mais on voit des gouttelettes qui sortent. Voilà, ça fait du vent. Ah ouais. Faut pas mettre tes mains dedans, hein, par contre. Parce que alors là, tu t'éclates le doigt direct. C'est des. Eh ben, c'est ce qui est l'opercule, quoi. C'est l'opercule. Voilà. Ouf, là, ça coule beaucoup. Juste avec un 4 trucs, on pourrait remplir un bol de miel déjà. Avec 4 trucs comme ça. Ouais. Même plus. Ça, c'est comme la peinture, tu vois. Donc là, hop, tu vois, maintenant c'est vide. Il n'y a plus rien. Le bout de bois. Ah, ça sort alors, oui. Ah ouais. C'est éjecté, c'est tout à fait. C'est la seule plastique intérieur, mais c'est les abeilles. Le truc plastique, j'adore. De quoi? Nous sommes pas dans le monde du plastique là. Le plastique. Nous sommes. C'est de la cire d'abeille. Ah, c'est les abeilles qui ont fait ça? Eh oui. Tu veux que j'ouvre? Là, ce qu'elles veulent, c'est manger. Voilà. Une fois qu'on a désoperculé et qu'on a retiré le miel à l'intérieur, on voit c'est brillant, donc il reste du miel. Les abeilles maintenant viennent et vont nettoyer tous les cadres qu'on a extraits. C'est-à-dire que ça, après ça, quand je vais toucher mes cadres, ils seront entièrement secs. Je les ai quoi? Tu les as achetés, toutes ces abeilles? Achetés? Oui. Ah non. Ah, attends toi. Elle te pique pas là? Hein? Elle te pique pas? Ah ben si elle me piquait, mon pauvre. Non, non, parce que elle, ce qui les intéresse, c'est de manger le miel. C'est ça qu'elles veulent. Moi, elles en ont rien à faire de moi. J'attaque pas leur ruche. Là, je suis pas dans leur ruche, je suis pas dans leur territoire. Le seul truc qu'elles veulent, c'est manger. Prendre le miel et le ramener dans leur ruche.
C'est ça leur travail. T'en as combien à peu près? Ouh, là, avec tout ce que j'ai là, j'ai plus du million d'abeilles. Je ne peux pas être très loin du million d'abeilles. Parce que c'est des belles ruches. On a 800 000, 800 000, au moins 800 000. Si je cours, elles vont pas me piquer. Faut pas courir justement, fais le tour par derrière. Ben là, l'hiver va arriver, là elles vont stocker leur miel pour passer l'hiver. Oui. Voilà. Et elles restent dans la ruche. Ben oui, elles bougent pas l'hiver, il fait trop froid. En dessous de 10 degrés, ouais. Moins, en dessous de 10 degrés, de plus 10, les abeilles, elles sortent pas. Ah d'accord. Voilà. Donc elles mangent ce qu'elles stockent.